Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Mech Arena, pardon. Et comme vous pouvez le voir, je viens d'acheter la petite caisse en promo avec les 500 pièces roses, les 200... que je dise pas de bêtises, 247 fragments et les 24 000 crédits. Donc on vient de recevoir du killshot, on a reçu du lancer, du thermal lance 4, thermal lance 6, du paragon, du javelin, de la peinture primaire bleu marine pour le lancer et du vert citron pour le paragon. Plutôt pas mal, ça va nous faire... ça va nous aider un peu. Ah, c'était cette caisse là, la caisse de prodige. Elle était à 5€, donc j'en ai profité. Alors on a aussi pas mal de trucs à prendre parce que tout a reset en fait. On va prendre cette caisse là. Bam, 2 tickets de tournoi, ça c'est plutôt cool. Parce que je suis à fond dans les tournois ces derniers temps. On va prendre aussi ça. Parce que ça c'est une arme vraiment... Elle est juste énorme en fait. Hop, on a aussi ça à prendre. Lancer, autocanon. Je reçois beaucoup de killshots hein, mais je l'ai pas encore acheté le killshot. C'est beaucoup trop cher. Du ticket et du long arme, c'est bien ça. C'est bien, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? On a des trucs à récupérer ici aussi. Hop. Et hop. Voilà. On est plutôt pas mal. On a bientôt fini celui-là. On a une caisse en plus. Allez, go. On a du jaune pour le paragon. On commence à être bien niveau peinture. On a ça aussi à faire. Infliger 40 000 de dégâts dans un combat, gagner 3 médailles, blablabla. Il faut qu'on s'y mette. Alors, l'Oprenium pour 7€, le Shadow. En fait, il vous propose à chaque fois d'acheter les robots que vous allez débloquer prochainement, en fait. C'est pour prendre une avance, si vous n'avez pas envie d'attendre. Vous pouvez les avoir, et si vous les achetez avec de l'argent réel, en fait, quand vous allez les... Quand vous allez les débloquer en fait tout simplement, vous n'aurez pas besoin de les payer. Parce que là quand vous les débloquez avec les XP, vous devez les payer pour pouvoir les débloquer si vous les achetez avec l'argent réel pendant la promo. Par exemple là le Shadow, vous voyez qu'il me manque, il faut 15 200 XP. J'aurais pu l'avoir là pour 7€, je l'aurais eu tout de suite. Voilà. Mais je suis pas trop fan de ce principe pour le moment. Je trouve que si vous vous démerdez bien, les robots que vous avez... au début font le taf hein, vraiment. Alors là on a eu le jaune. Voilà, le jaune pour lui. Et encore un. Papa. J'en ai loupé un. Ah, secondaire. Ah, c'est pour ça. On a eu le vert citron et le jaune en fait. Mais je l'aime bien dans son habillage, il est bien, il est bien comme ça. Alors pour le Jurgonaute, on a eu... On a eu... C'est que de la peinture qu'on a eu pour le Jurgo. Ouais, c'est de la peinture. Alors là, je l'avais en jaune. On va pouvoir le mettre en turquoise. En bleu marine. Ou en bleu de base. Il est bien en turquoise. Allez, hop. Et pour le lancer, on a eu... Tacatic. On a eu... Le bleu marine. Voilà. Mais je l'aime bien en rouge. Il est très bien en rouge. Donc on pourrait les améliorer. Ouais, on en a 74. 74 pour le paragon. On a reçu 39 pour le lancer. Le killshot, je me tâte à l'acheter parce que je vois beaucoup de monde le jouer et il a vraiment pas l'air dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Il a vraiment pas l'air dégueu. Donc, on va faire une petite... on en est où là de ce tournoi?
On est toujours troisième. On va tenter un petit tournoi. On a gagné des tickets. Donc c'est parti. Comme ça fera opening plus ticket. Enfin plus tournoi, plus un petit combat. Donc toujours hein, dans la description de vidéo, le lien parrainage. Rejoindre le Discord si ça vous dit. Je trouve que ce jeu est plutôt pas mal hein, quand même. Bien fun. Pas trop compliqué. Faut voir quand on va avancer. Plus on va avancer, plus ça risque d'être intéressant. Déjà là, on commence à arriver sur des gens qui ont des robots assez... ceux qui... Vraiment, ceux qui mettent la main au porte-monnaie, ils arrivent à avoir des sales robots. Hein. Même au niveau où on est actuellement. Ouh, bah lui... Si j'aurais pu lui mettre encore un coup, je l'aurais calé. On va recharger direct. On va lui balancer ça. Il se cache derrière les murs. Reste là, reste là. Oh non, il s'est mis en hauteur. Il y en a un qui essaye de back. Chargement. On va essayer de pas prendre trop de dégâts. Allez, ça sort. Ça sort. Allez, première manche, allez pour nous. Ils ont pas réussi à nous sortir notre robot. Alors je trouve que c'est un bon petit combo hein, ce robot, ces armes là vraiment très puissant, très efficace. Je trouve vraiment très efficace J'ai envie d'aller chercher lui là-bas. Et il se cache bien. Je l'ai bloqué. On va aller le chercher. Voilà, on les a cherchés. Il y en a un là-bas encore. Allez, triple kill. Triple kill. Lui, on le bloque. Quand vous savez jouer vos robots, ça peut donner des bons... Des bons petits trucs. Ah, je l'ai pas encore. On l'active. Allez, c'est parti. On les bloque. Allez, ça dégage. Faut que je fasse gaffe, je suis en train de me retrouver dans le feu ennemi. Je prends beaucoup de risques. Allez! You have won the match. Et ça part!
on est plutôt pas mal. Sur ce mecha, en l'occurrence, vraiment, je trouve qu'on est pas mal. Le mecha en lui-même, il est bien. Les armes sont petites. Franchement, c'est du petit oignon, hein, vraiment. Ça nous suffira pas pour passer deuxième. Il nous faudra encore, j'irai une partie. Tant qu'on reste dans cette zone, moi ça me plaît. On a fini premier d'ailleurs. Sur la dernière vidéo, je vous avais montré un tournoi. J'avais fini à la première place. Donc j'avais gagné 6 fragments là, ici là. Et donc si je gagne, si j'arrive à rester entre 2 et 3ème, j'en gagnerai 4, ça m'en fera 10. Et donc au lieu d'ouvrir cette caisse comme j'avais fait la première fois, je vais pouvoir ouvrir cette caisse là, qui est déjà plus intéressante. Donc ça serait bien que j'arrive à garder durant les 6 prochaines heures ce level là. Ça pourrait être plutôt pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir? Pas grand-chose. Hop. Donc, joue de combat, gagne 2 médailles d'or, j'en ai déjà une. Et gagne 200 XP, j'en ai eu 179. Plutôt pas mal. Les 40 000 dégâts, on les a fait. One shot. 3 médailles d'or, bah on en a gagné une. 100 XP en combat, 54 sur 100. Inviter un ami avec le lien parrainage, bah c'est dans la description, n'hésitez pas. Et gagner 2 trophées contrôleurs. Alors ça, je sais pas du tout comment ça va se goupiller le trophée contrôleur. Ah, je pense que ça doit pas se jouer en tournoi, mais que ça se joue en partie avec point de contrôle. Trophée contrôleur, point de contrôle, logiquement, il doit y avoir un petit rapport, on va tenter ça. On va tenter d'avoir le trophée contrôleur. Alors c'est vrai que depuis que je fais les tournois, je joue énormément au match à mort par équipe en fait, tout simplement. Je fais beaucoup moins de points de contrôle qu'avant. Ils sont plus rapides que moi. Ah, comment je vais faire pour avoir le point contrôleur, enfin la médaille contrôleur s'ils arrivent à tout prendre avant que moi je les ai. Ah le pauvre! Ah le pauvre! Il est tombé dedans, il est tombé en plein dans le piège, il est tombé en plein dans le piège. Aïe 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 aïe. Là on va arriver avec un mec, un mecha beaucoup plus rapide. Avec la possibilité d'accélérer. J'ai déjà presque plus de vie là. What? Il y avait un mec devant lui, il m'a autofocus. Hein. C'est moi qui voulais, c'est pas un autre. Allez, c'est parti. C'est parti. On a 2-2. On est à 2-2 dans les équipes, les gars. Allez, ça sort. Je crois qu'il est fâché. Thank you.
T'as voulu la jouer, t'as voulu la jouer. On est à 1v1. Merde, eux ils sont encore deux en fait. C'est pas du 1v1, c'est du 1v2. You have 2 minutes remaining. Smooth operator. Et j'ai plus beaucoup de vie. J'ai de la chance, il bouge pas. Ah, il m'a eu. J'ai encore un mec. Allez, un mecha encore à sortir. Faut que j'essaie de gérer. Faut que j'essaye. J'ai plus de balles. Rechargement. Oh là là les gars, j'ai fait gagner mon équipe, j'ai sorti les deux. Heureusement qu'il y en avait un qui bougeait pas. Hein. Ça aurait été plus compliqué que ça. On a deux places sur le podium. Alors est-ce qu'on a eu la médaille? La fameuse médaille. What? J'ai tout fait. One shot. Ok, plutôt pas mal. Allez, on level up en plus. C'est cadeau. Hop là. Et donc là, on nous propose la caisse d'amateur avec des crédits, des plans, des coloris et des pièces à 700. L'équivalent de 750 pièces pour 5€ au lieu de 14€. Faites péter le porte-monnaie. Allez, on va ouvrir ça. Bam. On a de nouveau du ticket de tournoi, c'est bon ça. On aime les tickets de tournoi. Alors, ça c'est fait. Bon, j'ai à peine de les débloquer. Hein. Je précise que quand j'ai lancé la vidéo, je vous ai montré, rien n'était encore fait. Vraiment, rien n'était encore fait. Et je viens d'accomplir ce qu'on doit faire dans la journée. Je viens de le faire en 17 minutes. Clairement. Voilà, du ticket de tournoi, ça c'est ce qu'on veut. Du long arm, c'est ce qu'on veut aussi. Des pièces A, on prend, on s'en fout. En hebdomadaire, pareil, on a fini ici. Tac, on est à 9. Donc c'est encore plus parfait qu'on soit à 9. C'est pas... Et on rajoute 200 pièces. Allez, c'est parti. Alors, on vient d'actualiser. Joue 9 combats, tue 1. Hein, et ça va se faire au fur et à mesure. On va aller collecter ici aussi. Bim badabam, bim badaboum. Et en fait, on a eu tout ce qu'on voulait. Voilà, c'est parfait. On a eu tout ce qu'on voulait. En espérant qu'il y ait encore quelqu'un qui s'ajoute avec mon lien parrainage. Et puis, pouf, c'est parti, on est bon. On a bientôt le mecha, en fait. Hein. Donc, si on arrive à 300 points, on va recevoir ce mecha. Arachnos. Un 3 étoiles, capacité d'énergie 16. Donc, je vous ai montré mon mecha capacité d'énergie 12. Imaginez ce que je peux faire avec un mecha capacité 16. Là, franchement, ça va taper. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que je fais des parties et que je finis premier, j'ai à chaque fois des demandes, en fait. Voilà. Hop. Hop. Allez. Tac. Il recommande aussi à chaque fois des gens. Mais on s'en fout. Pam, pam. Donc, d'ailleurs, si vous êtes joueur, n'hésitez pas à m'ajouter. Hein. Ça pourrait être cool. Paf, paf. Et bah voilà. Je pense que là on est plutôt pas mal. On va voir, je vais essayer de mon côté, je vais voir si je vais pas essayer de taper jusqu'à la deuxième place, histoire de sécuriser, d'essayer de sécuriser un maximum. Mais là je suis pas mal, même si je redescends en fait, 4ème, 5ème, 6ème, ou même si je descends 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, et même après là je vois, ouais, je peux descendre jusqu'à 15ème, j'aurai quand même mes 10 points, donc... Moi ça me va. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le Discord, le lien partenaire dans la description. Des gros bisous.
À la prochaine, ciao ciao.